Bienvenue à tous à Ça Déboîte, l'émission qui... Déboîte! Yes, sir! Oh, yeah! Et aujourd'hui, à l'émission, on va débattre d'une boîte qui nous vient des États-Unis. Legend of Collectors, 36 euros, frais de port compris. C'est une boîte bimestrielle, ou l'était plutôt. Et le thème est Green Lantern. Comme d'habitude, pour plus d'informations, je vous laisse tous les liens dans la description. Et pour commencer, nous retrouverons une lanterne anti-stress, une balle anti-stress. On en avait eu une dans Hulk, la boîte Hulk de Collector's Corps. C'était approprié vu que ça a une balle anti-stress, Hulk. Mais là, je ne vois pas trop l'utilité. Mais bon, si on doit avoir l'équivalent d'une box Marvel à l'autre DC, on la prend, d'accord. Ensuite, nous retrouverons deux pin-size heroes. Il s'agit de Hal Jordan, le Green Lantern, et Sinestro, son Nemesis, exclusif à la Legion of Collectors. Je voulais pas trop m'embarquer là-dedans, mais oui, ça fait plaisir de le recevoir. Voilà, donc voilà, c'est ça. Ensuite, nous retrouverons le T-shirt, qui est, mon Dieu, vraiment magnifique. Green Lantern. Nous retrouverons Hal Jordan, Guy Gardner et Jon Stewart. Donc très très bien. C'est quand même les trois plus connus. Donc je suis très content. Surtout qu'ils ne soient pas popifiés. Donc on passe à un tour de magie. Ouh! J'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Oui, ça fonctionnait pour combien de temps, cabron? Ta gueule. Mais aujourd'hui, c'est pas Sancho, hein? Eh ben voilà! Donc oui, toujours la même qualité, ça n'a pas changé. Et très très bien. Oui, ça se porte très bien. Excellent. Et pour finir, ben, on a pas une, pas deux, pas quatre, mais bien trois pops! Une boîte de trois Funko Pops. On reconnaîtra Chip, Guy Gardner et Kilowog. Donc oui, j'ai un peu triché, les noms sont à l'arrière. Oui, très content de les voir. Une boîte de 3 pops. Je pense que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était pour les 3 dragons métalliques de Game of Thrones. Ou le 3 pack exclusif à Walmart de Ghostbusters. Oh oui. Donc au final, c'est une box qui me plaît. J'oserais même dire que c'est peut-être la meilleure box Legend of Collectors à ce jour. Un peu triste que ce soit leur dernière pour l'abonnement. Je sais pas trop ce qui va se passer du côté de Marvel Collectors Corp et DC Legend of Collectors. Je ne saurais pas non plus vous dire si je vais pouvoir continuer à faire des unboxings. J'attends la prochaine de Collectors Corp. Ça devrait être la dernière, malheureusement. À moins qu'elle me soit facilement accessible, je vous tiendrai au courant, vous le verrez sur la chaîne, vous inquiétez pas. Mais en final, cette boîte-là me plaît. Il y avait un beau t-shirt, 3 pops, 2 pint size heroes et une anti-stress, on s'en fout. Pas de patch, pas de pins, un peu malheureux de ce côté-là, mais ça ne manque pas. C'est quand même une boîte qui a été très très bonne. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, cette boîte c'est terminé. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et pour vous abonner, ça se passe juste ici. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous serez toujours les bienvenus. Et il se passe plein de choses sur les réseaux sociaux. Comme des concours sur Facebook. Twitter.
Bonjour, tout veut plein d'amour? Alors n'hésitez pas à laisser ton adresse en commentaire et appuyer sur le bouton. Tu recevras un mail où tu m'enverras 25 euros et je t'enverrai une carte Google à 10 euros. Ça, c'est une bonne affaire. Bienvenue à Ça dépote, l'émission qui... Sancho de Cuba, quiero Sancho pour la salsa! Sancho, oh. On l'a pratiqué oh, pourtant! Et bienvenue à Ça dépote, l'émission qui... Mais pourquoi on fait ça, Oyo? Pose pas de questions, Sancho, je t'ai tout expliqué avant! Et bienvenue à Ça déboîte, l'émission qui... Déboîte! Quoi, c'est pas ça? Ah non, c'est ça! Alors? Mais quoi? Recommence! Je m'attendais pas! Mais comment il fait? Mais je sais pas, c'est la magie! Non, toujours pas. Encore raté. Ça court, arrête, putain! Ah, merde! Ah, tu l'as réussi à moitié. Je le sais, enculé!